Rebonjour à toutes et tous pour cette dernière session. Bienvenue avec cette dernière session. Je bafouille déjà parce que je suis aussi fatigué de cette longue semaine que nous avons eue. Donc bienvenue dans cette dernière session de notre live Twitch Cap Emploi pour la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc là, aujourd'hui, cet après-midi, vous voyez comme je suis fatigué, je reçois à nouveau Jérôme que j'ai reçu ce matin donc, et Ludivine que j'ai reçu tout à l'heure. Et du coup, j'ai décidé de vous affronter dans un quiz sur le handicap pour savoir lequel des deux avait le meilleur savoir sur le handicap, sans vous mettre de pression. Hein. Non, ça va ? Non, ça va. Pas de pression ? Ça va, Jérôme ? Je ne vais pas répondre. Alors du coup, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à nous les poser quand même, parce que y a quand même des Charlène Michon qui sont là sur le chat pour y répondre. Et surtout, vous pourrez jouer avec nous. Et en fait, il y aura même des jokers, pour certaines personnes, des jokers chats que vous pourrez utiliser si jamais vous ne savez pas répondre correctement à une des questions. Vous pourrez solliciter le public. Donc, alors il y a Ambre tout de suite déjà sur le chat qui dit « balance les questions ». Fifou 3186 qui dit « merci à vous ». Merci à toi de nous suivre. Donc, nous sommes là ensemble pour quelques minutes. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein, je ne sais pas moi-même. Je vais vous dire tout de suite les règles de ce que j'ai imaginé. Donc, il y aura trois manches là-dedans et le quiz, chaque manche se déroulera en deux parties. La première partie, c'est une question à questionnaire de rapidité. Donc là, il faudra utiliser les buzzers. Donc vous avez des magnifiques buzzers. Donc il y a le côté vert et le côté orange. Et la personne qui aura le plus de réponses à cette première partie pourra choisir son parcours dans la deuxième partie. Et le parcours, c'est quoi ? Eh bien, ça sera donc une série de questions thématiques spécifiques que je vous poserai chacun à votre tour. Enfin, tu choisiras une thématique, je poserai tes questions sur cette thématique-là, et ensuite, tu pourras choisir ce qui reste. Voilà. Et les gagnants repartiront avec ce magnifique stylo Pôle emploi. Voilà. Je sais qu'il te faisait plaisir. Je vais te laisser gagner. D'accord. Je te laisse le stylo. Voilà, et donc en fait, on fait ça un peu à l'ambiance de Burger Quiz, parce que c'est l'anniversaire d'Alain Chabat aujourd'hui. Donc on a fait exprès, évidemment, de faire ça en son honneur, parce qu'on adore ce jeu. Pardon, ce n'était pas voulu, je m'excuse. Alors du coup, ça fait déjà moins d'un pour Jérôme. Voilà. Oui, effectivement, c'est Ludivine qui va gagner. Cool. Donc. On va commencer ce questionnaire de rapidité. On va commencer quand même avec des questions, questions d'abord pour s'échauffer. Ah, ok, elles ne comptent pas pour l'instant. Ah. Alors. Première question, comment s'appelle l'expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson traduite en langue des signes au rythme de la musique de la chanson ? Ah, je commence quoi ? Joker ? Ah non, mais ça compte pas, ça compte pas. Ah. Donc, personne ? Alors, est-ce que quelqu'un connaît la réponse dans le chat ? Si c'est le cas. Alors, je vois déjà des gens qui arrivent sur le chat. D'ailleurs, justement, il y a Alexandra, donc la directrice de Cap Emploi 57. Donc, Jérôme, fais gaffe, je... Sans vouloir ajouter de la pression sur tes épaules, mais ta chef te regarde. Oui, je sais. Donc, personne ne sait. Donc, l'expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson traduite en langue des signes au rythme de la musique et de la chanson. Non, et ben c'est le chant-signe. Sinon, c'était c'était une contraction de chant, chanson et signe. Donc voilà, c'était finalement assez simple. Ouais. Selon vous, quel est le pourcentage de handicap invisible ? 80%. Ah, et c'est une bonne réponse. Bravo, Ludivine. Un point pour Ludivine. Ah, ça commence déjà, là ? Non, non, en fait, t'as raison, c'était juste pour s'échauffer. Oh non ! Que signifie RQTH ? Reconnaissance de travailleur handicapé. Voilà, là, vous l'avez... Il n'a pas dit tout. Il n'a pas dit reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, c'était pour s'échauffer. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Ok. C'est bon ? Oui. Alors, Pôle emploi, Cap emploi ou les deux ? Attendez, attends. C'est le titre de la thématique. Ça veut dire qu'en fait, chaque réponse, ça sera soit Pôle emploi, soit Cap emploi, soit les deux. Voilà. Vous êtes prêts ? Prêts ? C'est l'agence dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour retrouver un emploi. Cap emploi. Erreur ! C'est les deux, monsieur ! Enfin ! Le rapprochement ? Oui, pardon. C'est fichu. Ça sent la battle. Ah, il y a aussi le directeur de Pyramides qui nous regarde. Ça commence vraiment, vraiment mal. Mal.
Attention, c'est l'agence dédiée au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cap emploi ? Mais oui, c'est Cap emploi. Le principe du maintien en emploi, c'est d'accompagner les salariés qui rencontrent des soucis de santé. Et du fait de ces soucis de santé, ils risquent de perdre leur emploi parce qu'ils ne peuvent plus forcément exercer leur poste. Donc, notre mission est de les accompagner, nous, Cap emploi, là-dedans, pour les maintenir à leur poste. Pôle ou Cap emploi a été créé en l'an 2000. Bonne réponse. Voilà. Jérôme prend la main. Bravo, Jérôme. Depuis le rapprochement des deux organismes de placement, où s'effectue le lieu unique d'accompagnement ? Pôle emploi. Ouais. Encore une bonne réponse de Jérôme. Bravo, Jérôme. Ah, je vois que là, t'as vu. Hein, bah, ouais, là, il... La pupille est. Bravo. Ah, il y a Alexandra. Avant, quand t'as mal répondu, j'ai vu qu'Alexandra l'a mis au revoir, Jérôme. Non, mais. Je pense que Alexandra, t'es un peu dur. Je pense qu'il a bien rattrapé le coup là. Maintenant. Il va passer un très mauvais week-end. Attention, cinquième question. Anciennement nommée Agence nationale pour l'emploi. Pôle emploi. Encore une bonne réponse de Jérôme. Qui disait ANPE aussi. Exactement. Ne casse pas le buzzer tapis dans mon sang. J'en ai dans le remplacement quand même. Ça arrive. Alors, tout au long du parcours professionnel de la personne, ils sont les principaux prescripteur des mesures liées à la compensation. Cap emploi. Eh oui, c'est l'une de nos plus-values. Oui. Tout à fait. Voilà. Là, non, mais oui, mais moi, je ne suis pas cap emploi. Ah, c'est vrai. C'est vrai, il est un peu avantagé. De toute façon, je devrais lui enlever un point. Hein. Au moins, oui. Ouais, allez, j'accepte. Non, mais ça fait deux points déjà au moins. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai... Alors, attention, qui est prescripteur des aides prescrites de la GFIP ? Les deux ? Oui. Plus la mission locale. Vous n'avez pas posé la question, mais voilà, je le dis quand même. Les chargés de mission qui y travaillent sont super sympas ? Oui. Oui, quoi, oui ? On est super sympas, dans la bienveillance, chez Cap emploi et chez Pôle emploi. Voilà, les deux. T'as bien rattrapé le coup, hein, c'est bien. Je compte. Bravo. Voilà, donc Jérôme, c'est toi qui as gagné cette première manche, cette première partie de la première manche. Tu vas pouvoir choisir ton parcours. Je ne vais pas être licencié. Ah ben ça, c'est pas un mot qu'il faut demander, hein. Alors, donc. Ok. Je vais jouer des commentaires sur le chat. Ça commence vraiment à partir dans tous les sens. C'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. On est tous très, très fatigués. On a tous. Beaucoup d'action. Voilà, on a tous bien travaillé. Et maintenant, on attend le week-end avec impatience. Mais en attendant, donc, on est à fond. Et tu vas devoir choisir ton parcours, Jérôme. Premier parcours, les séries télé et le handicap. Ça tombe bien, il y avait un podcast qui en parlait juste avant. J'espère que tu l'as écouté. Pas du tout. Ah bah voilà. Toi tu l'as écouté ? Oui, voilà. Une partie. Oui, ouais, bah, oui. Le handicap en emploi, c'est le parcours numéro 2. Et le parcours numéro 3, c'est les dates marquantes sur le handicap dans la France de l'ancien régime du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Par exemple, en quelle année a été affirmé le principe du devoir d'assistance par la nation devant l'Assemblée constituante par le comité de mobilité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt ? On prend la première. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, les séries d'histoire, c'était en 1790. Ouais. Donc, t'as dit quoi, les séries ? Les séries. Ok. C'est parti. Donc, alors là, du coup, le chat, vous pouvez participer. Donc, ouais, Alexandra, elle dit que tu peux rester, Jérôme. Ah, voilà. On a le droit au Joker cette fois-ci, c'est ça ? Le Joker, tout à fait. Vous avez le droit à Joker Chat. Si tu n'as pas la bonne réponse, tu peux solliciter le chat qui pourrait t'aider, t'aiguiller, peut-être même dire une bêtise. Hein. Est-ce qu'on a le droit de choisir la personne qu'on souhaite au chat ? Alors, avant... Comme Madame Eva, par exemple. Quel saillot. Ou Monsieur Aubert. Monsieur Aubert, oui, peut-être. Donc, oui, on verra ça. Je te dirai qui propose des choses, tu me diras qui, et après je te donnerai leur réponse. D'accord. Donc, première question, dans la série Big Bang Theory, le personnage de Sheldon Cooper présente des similarités de symptômes avec quel type de syndrome ? Alors, je ne connais pas du tout la série. Tu ne connais pas Big Bang Theory ? Pas du tout. C'est une sitcom des années 2000, fin 2000, 2010. Qui s'est basée sur NRJ 12, si je ne me trompe pas. Ouais, tu connais toi ? Tu connais la réponse du coup ? Oui. Ok. Alors, je te laisse répondre. Ah non, non, t'as ton... Non, alors je vais prendre le Joker. Ah non, alors en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai quatre propositions. Je vois que quelqu'un a la réponse effectivement dans le chat. Donc la première possibilité, c'est trouble autistique Asperger. Deuxième proposition, Gilles de la Tourette. Troisième proposition, il est bipolaire. Ou quatrième proposition, il a le syndrome de la sitcom pas drôle. Alors comme je ne connais pas, je vais peut-être répondre au hasard. Je vais dire la première. Oui, trouble autistique Asperger, tout à fait. Bien joué.
Deuxième question. Quelle est la particularité du personnage de Tyrion Lannister dans Game of Thrones ? Il est invisibilisé par sa famille. Il est de petite taille. Il tient bien l'alcool. Ou toutes les propositions sont justes ? C'est mon préféré de deux. Il est de petite taille. Ah non, Tyrion. Désolé, ce n'était pas la bonne réponse. Ah. Toutes les propositions sont justes. Ouais. Il est invisibilisé par sa famille à cause de sa petite taille. Et du coup, il tient bien l'alcool car il est tel. Tout à fait. Voilà, donc mauvaise réponse. Mais c'est vrai que je n'ai pas prêté attention au tout de suite. C'était plus sa petite taille qui est... Alors, celle-là, je pense qu'elle est un peu trop facile. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelle série de science-fiction des années 1980 a un personnage non-voyant parmi ses personnages principaux ? Première proposition, Demain à la Une. Deuxième proposition, Star Trek, la nouvelle génération. Troisième proposition, K2000. Ou quatrième proposition, V. La deuxième. Star Trek, la nouvelle génération. Et c'est une bonne réponse, ça, enfin, j'aime bien. J'aime bien. Surtout là-dessus. Dans le podcast avant. Je suis tombé dessus. T'es tombé dessus par hasard, le passage-là. J'ai venu me chercher. Et oui, c'est Jordi Laforge, inspiré d'un vrai fan en situation de handicap dans les années 70. Donc, un personnage a été créé en son honneur. Voilà. Et Demain à la Une, c'était... il y avait aussi un personnage non-voyant, mais c'était une série fantastique. C'est pas de la science-fiction, attention. Et surtout, c'était les années 90, pas 80. Je suis pointilleux. Quel est le handicap du docteur Kerry Weaver dans la série hospitalière Urgence ? Est-ce que c'est la schizophrénie ? Est-ce que c'est les troubles obsessionnels compulsifs ? Est-ce que c'est l'autisme ? Ou est-ce qu'elle a une dysplasie de la hanche ? La quatrième ? Oui, c'est ça. Parce qu'elle avait de fou une béquille... Et là, je remercie ma femme de d'avoir fait regarder Urgence. C'était bien Urgence. Très très bonne série. Eh bien, voilà, oui, donc, effectivement, dans le chat, les gens ont donné beaucoup de bonnes réponses. Hein, donc, je vois que les gens regardent beaucoup la télévision. C'est très bien. Alors, ensuite, le handicap en emploi, c'est pour toi, du coup. Alors, ensuite, question numéro 1. Donc, tu as droit à un bonus, à un joker chat, hein, si jamais okay. Tu ne sais pas. Il y a Morgane qui dit « On a écouté le podcast surtout ». C'est vrai. C'est vrai que je l'ai mis un peu exprès en disant que je voulais récompenser la personne qui suivrait ce podcast. Voilà, donc bravo Jérôme. Question 1. Qu'est-ce que c'est qu'un ESAT ? Est-ce que c'est une voiture spéciale pour personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est une catégorie de prothèses de travail ? Est-ce que c'est un établissement de soins adapté aux personnes en situation de handicap ? Ou est-ce que c'est un établissement adapté employant exclusivement des personnes en situation de handicap ? La 4. Tout à fait. Un point pour Ludivine. À votre avis, combien de personnes en situation de handicap travaillent en France ? J'ai des propositions, mais avant ça, je veux savoir quand même... Non ? Tu veux des propositions ? Qui travaille en France ? Mm-hmm. Alors, on est dans le million, ça c'est sûr. Mm-hmm. Alors, les quatre propositions, c'est moins de 500 000, près de 1 million, près de 1 million et demi ou près de 2 millions. C'est fait 2 millions ? Non, c'est 1 million. Près de 1 million, environ, hein, environ. Quelle est l'une des solutions pour maintenir dans l'entreprise un salarié ou une salariée devenue inapte ? Est-ce que c'est en aménageant son poste de travail, en lui retirant ses responsabilités, en demandant conseil à Pôle emploi ou en lui organisant un apéro ? L'aménagement de poste ? Bah oui. Ouais. L'apéro, c'est sympa, mais... C'est un plus, quoi. C'est un plus, ouais. Ça ne va pas vraiment aider. Quelle personne peut préconiser un aménagement de poste ? Est-ce que c'est le médecin du travail, le manager, l'assistant de direction ou un chargé de mission cap emploi ? Il y a un petit piège hein, quand même. Un médecin du travail ? Ouais, avec un chargé de mission cap emploi. Oui, de son poste. Voilà, donc on a terminé. Tu ne comptes pas du tout mes points. Oui, désolé. En fait, vous êtes ex aequo, si je ne me trompe pas. Donc, sur le chat, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous êtes ex aequo pour cette première manche. Donc, on va devoir faire une deuxième manche. Oh là là ! Donc, c'est pareil, on va faire un questionnaire de rapidité. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé les trucs. Voilà, tac. Les points, ils sont là. Sur le chat, je vois que Morgane écrit absolument n'importe quoi. Tu pourrais nous faire participer. C'est un scandale. Ben là, il dit, voilà... La NESAT, c'est une voiture. Il faut demander à Pôle emploi. Y a quelqu'un, il y a Def Nedor qui dit l'apéro, ça soigne tout. Voilà, bon. C'est vrai, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, questionnaire de rapidité, on reprend. Vous êtes prêts ?
Vrai ou faux, le handicap est la cinquième cause de discrimination en France. Faux. Oui. C'est la deuxième, je crois. Oui, c'est la deuxième. C'est la deuxième derrière l'origine. Donc, 3 millions de personnes déclarent avoir fait l'objet de discrimination au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Question numéro 2. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes handicapées de naissance? Donnez une estimation. 2%? 2%? Non. 15%. Voilà, mais t'es en forme, là. Mais j'ai fait mes études sur le handicap. 15%, effectivement, des personnes en situation de handicap le sont dès la naissance. 85% des personnes en situation de handicap le sont à cause de maladies déclarées après la naissance, d'accidents au cours de leur vie ou du fait de vieillissement. Complétez la phrase suivante. Une maison des personnes handicapées est mise en place dans... Les départements. Bah oui. Les questions sont très bêtes. Hein. C'était un peu un piège. Je vais chercher loin. C'est bah, un jeu de rapidité. Hein. C'est le premier qui répond. Hein. C'est pas moi qui fais les règles. Enfin, si, mais... Un peu. Oui. Voilà. Là, non, mais c'est le premier qui répond, puis c'est tout, quoi. Vrai ou faux, le terme handicap provient de l'anglais handicap. Ouais. On le connaît. Et effectivement, c'est vrai. Je note, tu vois, je les oublie pas, ceux-là. Cette expression découle d'un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots afin d'assurer l'égalité des chances des joueurs. Le handicap traduisait la situation négative défavorable de celui qui avait tiré un mauvais lot. Ce terme a ensuite été employé pour les courses hippiques et au golf pour finalement prendre le sens que l'on connaît aujourd'hui. Handicap. Vrai ou faux, la majorité des personnes en situation de handicap se déplacent en fauteuil. Voilà. Tu peux en chercher un autre là-bas sur la table. Du coup, un point de pénalité, encore un autre. Faux. Donc, c'était la question faux. Bah, faux, bien sûr. Ouais. Voilà, voilà. Donc, faux, bien sûr, seulement 3 personnes des personnes en situation de handicap utilisent un fauteuil. Vrai ou faux? Le handicap psychique peut intervenir à tous les stades de la vie. J'adore celui-là. Vrai? Bah oui, vrai, bien sûr. Ah, t'as plus le droit de l'utiliser pour rigoler, hein. Je te rappelle que tu t'en as cassé, hein. J'y vais à un doigt maintenant. Ouais, non, d'accord. Alors. Je laisse vous reprendre dans le chat. Ouais, tout le monde a dit. Ouais, tout le monde dit que c'est n'importe quoi ce que vous faites. Ah oui. On est là pour s'amuser. C'est la fin de la journée, la fin de la semaine. On est tous fatigués. Alors, vrai ou faux? Les psychos se soignent uniquement en hôpital psychiatrique. Faux. Et du divin, vous prenez. Pardon? Faux, et même. Égalité. Alors, toi, il te note tes points, mais je suis en train de le voir. Chez moi, il n'en a noté aucun. Si, jamais, hein, voilà. Mais de toute façon, elle te bat à la pointe de la couture. Hein. Sur ce coup-ci, là. Vrai ou faux, le temps d'absentéisme d'une personne handicapée est supérieur à celui des personnes valides. Faux. Ouais, c'est faux. Bon, bah, c'est quand même Ludivine qui remporte cette manche, donc tu vas pouvoir choisir ton parcours. Alors, parcours numéro 1, les musiciens et musiciennes et le handicap. Parcours numéro 2, les personnages historiques et le handicap. Parcours numéro 3, question sur les amendements qui avaient été déposés à l'Assemblée nationale de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. C'est la loi qui a posé le principe selon lequel toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus par tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Je vais prendre le premier. Pas le troisième? Non. Les amendements, c'est... Non, d'accord. Non, c'est pas... Donc le premier, les musiciens et musiciennes et le handicap. Bah, tout le monde dit à chaque fois, Ambre, elle dit à chaque fois, choisissez la 3. Mais personne ne veut, je suis désolée, personne ne veut la 3, je ne sais pas pourquoi. Question numéro 1, donc. Quel musicien jouait de la guitare avec 3 doigts? Est-ce que c'est Chuck Berry? Est-ce que c'est Jimi Hendrix? Est-ce que c'est Django Reinhardt? Ou est-ce que c'est Charles Brassens? Et bien sûr, dans le chat, vous pouvez participer. Et si jamais tu as besoin d'un Joker chat... Oh, mais si je le prends dès la première question... En même temps, on est déjà à la deuxième manche. Ouais. Troisième. Et moi je dis ça. Non, deuxième. Ah, deuxième, pardon. Allez, Joker Chat. Joker Chat, est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Quel musicien jouait de la guitare avec 3 doigts? Chuck Berry, Jimi Hendrix, Django Reinhardt ou Charles Brassens?
Alors, je vois, il y a quelqu'un qui demande un emploi de questions pour la troisième partie. J'ai marqué pas d'exemple parce que c'est beaucoup trop barbant. Donc, j'avais même pas. J'avais déjà la flemme de chercher un exemple pour la blague. Donc, non, c'est pas possible. Alors, il y a. Bah, Morgane, il dit n'importe quoi. Charles Brassens, c'est qui ? Mais Morgane ! Morgane, arrête ! Bon, alors, donc, il y a Ambre qui propose une réponse. Mais après, elle dit quand même, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas trop si c'est... Ambre, tu ne m'aides pas du tout. Voilà, et il y a quelqu'un, il y a Death Nedor sur le chat qui donne une proposition. Allez, on va suivre Death Nedor. Bon, en fait, personne ne sait. Ah, bon. il a proposé Chuck Berry, en fait, c'est Django Reinhardt. D'accord, je ne savais pas. C'est une blague de geek ? Non. Alors la musique comme ça, là, non, c'est pas vraiment geek. Non, c'est pas ça. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de Star Trek, peut-être, oui. Oui. Mais non, là, pas non. Non, non, c'est pas le cas. Quand Stevie Wonder est-il devenu aveugle ? Peu après sa naissance, pendant son enfance, à 18 ans ou à 30 ans ? Je crois que c'est peu après sa naissance. Tout à fait. Hop. Quel compositeur, atteint de la surdité à 27 ans, continua de diriger son orchestre malgré son handicap ? Peu connu, un petit peu. Est-ce que c'est Jean-Sébastien Bach ? Est-ce que c'est Florent Pagny ? Ou est-ce que c'est Ludwig van Beethoven ou Jerry Goldsmith ? Beethoven ? Oui, Ludwig van Beethoven. Encore un bon point. Ensuite, le chanteur grand corps malade marche avec une canne car il est victime d'une maladie dégénérative. Il est paraplégique depuis la naissance. Il a été victime d'un accident à 20 ans où il ne se déplace pas avec une canne. Accident à 20 ans. C'est ça. J'ai vu le film. Il y a là, il y a un film. Oui. Je sais plus comment. Il est tombé dans la piscine. Il s'est pas cassé. Du moins, la tête a connu dans. Ah oui, je crois. D'accord. Au niveau du fond. Ouais, une piscine. D'accord. Ok. Bon, je mets pas un point bonus pour cette voilà ces informations supplémentaires, mais voilà. Ok, donc maintenant. Est-ce que tu veux les amendements sur la loi de pas du tout. Ok, d'accord. Donc, les personnages historiques et le handicap. On va essayer. Alors, question numéro 1. Edith Piaf souffrait de polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie s'attaque aux cordes vocales, s'attaque aux articulations et provoque des douleurs et des déformations, provoque de longues périodes de dépression ou cause une paralysie progressive du squelette. Ah, c'est un peu compliqué, j'avoue. La deuxième. Oui, c'est ça. Mmh. Ça s'attaque aux articulations et provoque des douleurs et des déformations. Ensuite, question numéro 2. Vincent Van Gogh souffrait d'aphasie, de cécité partielle, d'une paralysie de la main ou d'un handicap psychique ? Handicap psychique. Et bien sûr, c'est une bonne réponse. Question numéro 3. Quel président fut victime de la maladie d'Addison, maladie endocrinienne rare ? Est-ce que c'est John Fitzgerald Kennedy ? Est-ce que c'est François Mitterrand ? Est-ce que c'est Raymond Poincaré ? Ou est-ce que c'est Georges Pompidou ? C'est pas du tout connu hein, comme truc. Moi, je dirais Poincaré. Non, c'était John Fitzgerald Kennedy. Quel est le point commun entre Jules César, Alexandre le Grand et Socrate ? Est-ce qu'ils portent tous très bien la toge ? Est-ce qu'ils étaient tyranniques ? Est-ce qu'ils étaient épileptiques ? Ou est-ce qu'ils aimaient la politique ? Épileptique. Voilà, c'était un petit peu facile. Ensuite, bah, du coup, encore une égalité. Voilà, je vois qu'il y a du monde dans les couloirs. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, venez tous. On ne sait pas qui a gagné du coup parce que là ils étaient une égalité parfaite. Mais honneur aux dames. Honneur voilà. Aux dames. Ouais, je vais laisser prendre le directeur, vas-y. Prenez le micro, monsieur le directeur, tant que vous y êtes. Pour partager les vainqueurs de la fin de la SEPH voilà, 2023. Ça. En tout cas, une vraie battle. Hein, on a senti que vous étiez fort concentré. Un audimat incroyable au niveau, on va dire européen, en tout cas francophone, hein, voire mondial francophone. Voilà, on peut le dire. On peut le dire. Et puis, un beau clin d'œil pour la fin de la SEPH.
Okay. On peut remercier tous les Cap emploi de France à s'être engagés merveilleusement dans cette opération, à Kéops National pour son soutien infaillible. C'est bien parce qu'en fait, tout ce que j'avais prévu de dire à la fin, avant de partir... Mais je laisserai pour le mot la fin. En fait, j'étais très frustré de ne pas avoir été un des animateurs de cette semaine, mais j'étais fort pris par mon poste. Mais en tout cas, Guillaume l'a fait admirablement. Merci avec Julien, qui l'a assisté de manière admirable. En tout cas, un beau travail de doux et puis un beau travail d'équipe, en tout cas, pour le reste des documents. Eh bien, merci. Les mots de la fin. Bon, du coup, je pense qu'effectivement, le quiz, on ne saura pas qui a gagné. On ne saura pas. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la revanche. Hein, Jérôme, le débile. Non, ça marche. Ça marche. Et du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. Et puis, je vous dis déjà à l'année prochaine. Au revoir.